haussant le cheval et son cavalier. Où est le corps qui résonnait? Ils sont passés comme la pluie sur les montagnes, comme le vent dans les prés. Les jours ont sombré vers l'ouest, derrière les collines, dans les ténèbres. Et bonjour à tous, c'est Pause Café. On se retrouve comme promis pour l'aventure sur Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Alors, pour éviter qu'on ait encore l'écran de... encore la cinématique, qui ma foi est pas trop mal, je vais lancer le jeu. Alors, les deux tours, et ben les deux tours c'est un beat 'em all donc qui est sorti en 2000, donc après le deuxième film il me semble, hein. Ouais c'est juste avant le troisième. Et du coup, dans ce beat 'em all, on peut incarner Legolas, Aragorn ou Gimli pour aller friter du vilain Zork ou du vilain Zurukai. Voili, voilou, le pitch est on ne peut plus simple, ça reprend tout simplement la communauté de l'anneau et les deux tours sur une grande partie pour ce qui est de l'aventure. On va dire que... Ah non, ça recommence, même ici on a la... Bah, d'accord. Même ici on a la cinématique. Donc voilà, ça reprend pas mal du film. Il y a quelques personnages en plus qu'on aura l'occasion de voir ou quoi que ce soit. Rien d'exceptionnel, hein, ils sont pas trop foulés non plus pour le scénar. Mais en même temps, il n'y avait pas besoin, je veux dire, le film, la trilogie était là, quoi. Voilà, voilà. Perso, ce jeu me tient pas mal à cœur pour la simple et bonne raison que c'est
le premier, mais alors le tout premier jeu de PS2 que j'avais. Donc autant vous dire que je l'ai mais poncé ce jeu, mais un manqué club de fois. Alors il y a très longtemps que j'y ai pas joué, parce que du coup je l'ai tellement fait quand j'étais petit que d'un bout d'un moment ça lasse quoi. Et j'ai jamais repensé et m'y remettre depuis, ça doit faire peut-être 3 ans que j'ai pas touché. Et là j'en ai refait une partie dernièrement et je me suis aperçu que j'avais oublié beaucoup de choses. Donc m'en veuillez pas si c'est pas un let's play hyper exhaustif, j'ai sûrement tapé 2-3 morts, ça arrive, parce qu'il est assez exigeant mine de rien. Et je pense que voilà, je vais quand même en baver un petit peu, surtout qu'en plus je vais jouer un personnage qui est certes rigolo, mais assez faible. Donc je prends 3 coups, je meurs quoi, en gros. Voilà. Vous aurez sûrement deviné lequel c'est. Voilà, je ne jouerai pas les 3 personnages parce que ça sert à rien que je refasse les 3 niveaux avec les 3 persos. À moins que vous le vouliez absolument, dans ce cas-là je le ferai, mais personnellement je vois pas trop l'intérêt. Par contre, du coup, j'essaierai quand même d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de faire le niveau bonus et de vous montrer le personnage caché, qui est, ma foi, bon, c'était sympa le petit coup du perso caché, mais c'est clair, dans le retour du roi, on avait des persos cachés qui étaient quand même bien mieux. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire. Si ce n'est que ce jeu, apparemment, vous a pas mal marqué, parce que vous avez été plusieurs à me faire des commentaires dessus, comme quoi ça vous rappelait votre enfance et tout, enfin bref, voilà. Donc, c'est parti. Alors, nouvelle partie. Ouais, on va se mettre en normal, parce qu'en expert, franchement, je le sens pas. Voilà, en normal, déjà, je me faisais bien rosser le cul. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu. Car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. L'une après l'autre, les contrées libres de la terre du milieu tombèrent sous l'emprise de l'anneau. Mais il en fut certaines qui résistèrent. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor, et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer la terre du milieu. Tuez-les tous!
Excusez-moi, j'ai oublié de mettre les sous-titres. Donc je vais vite régler ça, parce que quand on lance une nouvelle partie, ça prend pas les sauvegardes globales qu'on a fait. Donc je suis obligé à chaque fois de le remettre. Alors de toute façon, à tout moment, je pourrais changer de niveau de difficulté si vraiment j'en sors pas. On va juste baisser un peu le niveau de volume de la musique pour garder le volume du jeu, parce que je sais que la musique est assez forte dans celui-là. Voilà. Alors, juste comme ça, déjà, d'emblée, pour vous dire, ça vous paraît peut-être bidon, mais cette intro, moi, à l'époque, eh ben, elle m'avait scotché le cul sur le sol, sans déconner, quoi. Ça m'avait juste... Ah, ça m'avait refait ma vie, quoi. Défendez-vous, messieurs. Alors, attends, je vais essayer de faire un petit truc. Je viens par là-bas. Attaque-moi, attaque-moi. Ils sont voilà. Vous devez vous défendre. Donc, il y a plein de petits combos à connaître, assez sympa. Bon, plus on fait de points, meilleur c'est. Bon, là on s'en fout parce que ce personnage là, on joue que dans cette séquence. Voilà, on n'est pas obligé de suivre le didac, hein. Fait ce qu'on veut. Alors vous remarquez, il y a une barre verte et une barre grise. La barre verte, c'est. Donc la barre verte, c'est la barre de la vie, simplement. Et en dessous, il y a une barre, d'armure, pardon. Voilà, alors l'attaque rapide, c'est le X. Donc ça permet de faire des coups et en même temps de parer. Alors cette attaque, j'utilise presque jamais, parce qu'on a vraiment l'impression de ne pas toucher avec. Ça a d'ailleurs été un des reproches que la critique avait fait à ce jeu, à cette époque-là. En tout cas, Gameplay RPG l'avait fait, bien sûr. L'attaque féroce donc, permet de briser les boucliers, je vais vous montrer. Voilà, ça permet donc de briser les boucliers, c'est assez efficace, et en même temps de mettre les ennemis au sol, c'est une attaque assez puissante, mais assez lente. On a aussi le coup de pied, qui est pratique pour mettre les mecs dans la lave, ça c'est assez rigolo. Il y a plein de trucs qu'on peut faire tomber les gars, hein. Vous avez vu, les commandes sont assez similaires en soi à Demon's Stone, hein. De toute façon c'est les mêmes qui ont fait justement Demon's Stone, hein. C'est les mêmes, le même studio. J'aurais pu me souvenir de leur nom de studio à chaque fois. Ok. Et donc, quand on fait tomber quelqu'un, on peut l'achever, vous voyez. Alors, on peut l'achever en fait avec cette attaque. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais essayer d'en faire tomber un. Alors, lui, il n'est pas tombé, c'est pas grave. Voilà, tombe. Voilà. Et là, je l'achève. Bon, là, je lui ai achevé le pied, mais on va dire que le pied, ça coupe. Voilà. Après, vous avez plein de combinaisons, comme par exemple la charge héroïque de Easy Trout, là. Donc, tac, tac, et le jugage de chop direct. Je vous montre un peu mieux. Hop, voilà. Il y a ça qui vous permet de faire des gros dégâts un peu vénères sur les mecs qui n'ont pas d'armure. Il y a tac, tac, tac. Voilà, ça c'est la délivrance des îles dures, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, je ne connais pas tous les combos, donc je pourrais pas tous les faire. Moment précis, alors que tout espoir avait disparu, qu'Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père. Sauron, l'ennemi des peuples libres de la Terre du Milieu, fut vaincu. L'anneau alla à Isildur, qui eut la seule opportunité de détruire le mal à jamais. Mais le cœur des hommes est aisément corruptible. Détruisez-le ! Je suis le descendant d'Isildur, pas Isildur en personne. Mon destin m'appartient. Au gouffre de Helm ! Brego, cours !
Voilà, donc ça c'était un peu pour nous mettre en jambe, c'est le Didac avec Isildur qui est un perso surcheaté, déjà level 10, y a zéro problème avec lui, quoi, si on meurt c'est que vraiment on est très mauvais. Or je suis très mauvais mais pas à ce point-là quand même. Voilà, on récolte l'XP qui nous sert absolument à rien. On va se regarder la partie vite fait. Donc vous voyez, ouais, comme je vous disais, cette intro mine de rien, moi à l'époque ça m'avait scotché. Quoi. Faut dire que j'avais encore jamais vraiment touché de PS2, j'en ai juste vu. Chez Lyon, qui m'avait montré 2-3 jeux comme Devil May Cry et tout, ça m'avait scié, moi, j'avais vu ce jeu, ça m'avait encore mais flingué la tête tellement je trouvais ça énorme, et alors là, le Retour du Roi, n'en parle même pas, si un jour je le fais, je vous montrerai, mais c'est clair que c'est un... Ah oui, j'ai oublié le bouton de parade aussi, c'est clair que ça c'était vraiment énorme pour l'époque, hein. Maintenant ça vous paraît débile, parce qu'on a les 360 et tout, la PS4... Hein. Tout Isengard est désert. C'est une armée créée dans un seul but, détruire le monde des hommes. Le Seigneur des Ténèbres est proche. Alors là, on n'a pas le temps de souffler, pas de menu. Boum! Il cherche le porteur de l'anneau. Donc voilà, pas le temps de souffler, on prend direct un des ennemis. Alors là, il faut les toucher avec la torche enflammée, ils ne craignent que le feu. Pour enflammer la torche, donc le feu au milieu. Et un seul moyen, c'est l'attaque puissante. L'attaque féroce, voilà. Parce que si vous faites pas l'attaque féroce, pour toucher, c'est la merde. Allez, un parfait. Et c'est tout. Non, mon parfait. Ne vous approchez pas d'eux. Au secours, ils sont partout. Alors le délire, en fait, le mode parfait, si vous vous souvenez de mon espèce sur tirage, il y était. Le mode parfait, en fait, vous permet d'infliger beaucoup de dégâts. Nous te trouvons. Ah, je vais y arriver. Donc voilà, le mode parfait, en fait, vous permet d'infliger beaucoup de dégâts et de récupérer plus de points à la sortie du niveau. En fait. Pour la gueule. Alors oui, donc là on est niveau 1 par contre, donc on est un vrai caca, on n'a pas d'armure, rien du tout. Aidez-moi ! Ma torche. Venez m'aider ! Allez, mange, enculé ! Voilà, donc ça va bien d'avoir le mode parfait, parce qu'une fois qu'on tue quelqu'un avec le mode parfait, qu'on déclenche, toutes nos attaques, enfin tous les ennemis qu'on tue sont considérés comme parfaits. Voilà. Alors j'ai pas de technique, hein. Je bourre comme un débile parce que y a rien d'autre à faire quoi. Là on n'a pas de technique, on n'a rien. Putain. Alors, le problème c'est qu'il n'y a pas de log dans le jeu, donc c'est vraiment à l'ancienne avec la direction pour dire pour viser. Au sanctuaire de Foncombe, le plus petit d'entre nous fit preuve du plus grand des courages. Et une communauté fut forgée. Je vais porter l'anneau en Mordor. Bien que... je ne connaisse pas le moyen. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sacquet. Aussi longtemps que vous aurez le porté. Vous avez notre destin à tous entre les mains, petit homme. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Un Gimli pique quand même. La tronche de Gimli, moi, à chaque fois, me fait triper parce que là, on le voit pas comme ça. Bon, ils ont essayé de faire une tête de Gimli, c'était à l'époque, hein. Pour vous dire qu'on sortait de la PS1 quand même et de la 64. Ça, déjà, pour nous, c'était le bout du monde. Mais, faut imaginer. Oh, parfait, ma mission, bien. Faut imaginer que
Gimli, après, il a une tête encore plus rigolote, quoi, franchement. Alors voilà, donc là on a gagné des niveaux. Les niveaux d'ailleurs, vous verrez, c'est représenté en fait par la petite barre bleue en dessous, en bas à gauche, avec le compteur bon, parfait et tout ça. Alors, donc attaque éclair, ça je m'en fiche. Mais de toute façon, je vais pas jouer à Ragnarok, donc ça, la charge héroïque des îles dures, c'est à prendre de base. Je regardais parce que c'est pas dispensé pareil. Voyez, il a le maître épéiste bien avant en fait. Aragorn. Colère de Numenor, ouais, force de l'Arconas, jugement des îles dures. Voilà, ils ont deux trois trucs qui diffèrent entre eux, mais voilà. Bon, de toute façon, je vais pas l'augmenter, ça sert à rien pour l'instant. Juste sauvegarder ma partie. Donc voilà, on y est. Alors là, on va accéder en fait, c'est là où c'est intéressant. On va accéder au, voilà. On va dire au hub, à la carte. Voilà, je vais y arriver. Je suis désolé, je perds un peu mes mots, mais c'est aujourd'hui, c'était une journée assez costaud pour moi. Donc, on va accéder à la carte qui va nous permettre, voilà, un peu comme Demon's Stone, de pouvoir sélectionner le niveau, de pouvoir sélectionner les bonus, parce qu'il y a plein de bonus et ça, c'est vachement chouette. Et de ce fait, du coup, on pourra rejouer certains niveaux. Alors, au début, on ne peut pas les rejouer, sauf avec les personnages auxquels on n'a pas joué le niveau. Donc, par exemple, si je le fais avec Gimli, je pourrais rejouer avec Legolas et Aragorn, mais pas avec Gimli. Et c'est une fois qu'on a tout terminé, là-bas, là, qu'on pourra rejouer tous les niveaux et qu'on pourra farmer. Donc, comme je ne pourrais pas vraiment farmer, ben, je vais être pas mal emmerdé. Ça va vraiment être la galère pour moi. Parce que si jamais je suis trop mauvais avec mon perso et que je fais de la paille au niveau acquisition des compétences, c'est mort, quoi, hein, je ne pourrais pas le refaire. Voilà. Et là, il y a tous les bonus. Donc, ce que je ferais, c'est que je ferais comme j'avais fait pour le Demon Stone. Je vais mettre un bonus à chaque fin de l'épisode. Voilà, donc là il y a les deux premiers niveaux que je vais mettre en un épisode. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il y a 5 bonus, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et bien c'est parfait. Ça fera 11 bonus. Donc là, ben, ça va être la fin du premier épisode. Je vais tourner moi d'une traite, enfin pas tout faire le jeu d'une traite, mais je vais faire vraiment des grosses parties que je vous découperai. Donc à chaque fois, je vous redirai pas bonjour et tout ça. Je vous mettrai quand même les bonus, je sais à peu près comment je vais les couper, ça va faire une fois par chapitre. Donc là voilà, ces deux premiers niveaux, ça sera clairement la partie numéro 1. Donc maintenant, et ben bonus! Into this ring, he poured his cruelty, his malice, and his will to dominate all life. One ring. To rule them all. What we've done is a culmination of a huge amount of work involving thousands of people. The title, The Two Towers, refers to the Tower of Orthanc, which is where Saruman, Christopher Lee's character, is based, and the Tower of Barad-dûr in Mordor, the home of Sauron. Film two, like every film in this trilogy, is a challenge. And will remain so until we deliver. It's a great movie. It's going to be bigger than film one. I think definitely that there is such care that went into making these movies. And to be able to transfer that information to the team that's building the games is great, because I know they're putting in an equal amount of care and effort into bringing a really rich game to the public. Tolkien describes Edoras very vividly in the books as being a city of wooden buildings on a hill in front of a range of snowy mountains. When we were originally doing our location scouting, I said, look, we've got to find somewhere in New Zealand, there's got to be a hill like this that's in front of the mountains. So they went helicoptering all around the country and they came back with a photograph of the absolute perfect hill. It was about 60 or 70 miles away from the nearest town. It was in the middle of the South Island. It was very remote. We spent about 7 or 8 months actually constructing these huge buildings. The end result was that in the movie we have an Edoras, which is thoroughly believable. I was able to go there and just shoot as if it was an existing location.
One of the exciting things about the EA games and what I've been seeing in the models as they've been built is a great replication of our sets and our characters, to the point where EA worked out a deal with our actors so that they would come in and record their own dialogue. The actors were quite excited about it. The battle for Helm's Deep is over. The battle for Middle-earth is about to begin. We built a miniature of Helm's Deep, but what was interesting was that it wasn't just a model, there was a huge miniature. It was a quarter scale, but it was in itself about 30 or 40 feet wide. And it was so big that we could just photograph it with our cameras and it wouldn't look like a miniature, it just looked totally believable. What makes a great movie is really a great script and a great cast. I imagine when you're doing a game, it's many of the same challenges. You've got to attract the right talent to the game. You've got to get a story that will attract an audience and then become excited by that story and compelled by that story to actually see it come to life. There is nothing we can do for Frodo. The quest will claim his life. Rohan is weak and ready to fall. And so he will strike hard and fast at the world of men. War is upon us. Destroy my precious, and we want it! Et voilà, donc à peu près tous les bonus sont comme ça. En fait, il y a des morceaux de... Là, il y avait des morceaux du bonus en DVD, mais donc où il y avait aussi des morceaux inédits. Et il y aura pas mal, en fait, de morceaux inédits, donc je vous encourage, vous, si vous avez le jeu, à les voir. Voilà, voilà. Bon, et ben, dans ce cas-là, on a fini la première partie, on va attaquer la deuxième, qui est la porte de la Moria.